Qui va là? Ouvre-moi, Seymour. Présentez-vous. C'est moi, Wade. Wade? Oh, c'est comme ça que tu accueilles ton beau-frère? Oncle Wade. Abby. Sammy? Tu vas rester avec nous, Oncle Wade? C'est à ton père d'en décider. Dors dans ma chambre. Tu es ici chez toi. Depuis combien de temps les McCloskey vous volent? Depuis que maman s'en est allée. Allez! À cheval, regarde ce que ton frère a ramené pour nous. Attends, et ton père te lâche ça? Papa dit qu'ils sont désespérés, qu'on l'est tous. Je sais, c'est pas du sanglier. Bien sûr, les McCloskey ont quelque chose à voir là-dedans, pas vrai? Un homme doit faire très attention à ne pas se mêler trop des affaires des autres. Ouais, je l'aurais pas mieux dit moi-même. Dillard était en train de les voler. Parce que tu lui avais dit de le faire, tu t'attendais à quoi? Randolph, on a remboursé notre dette. C'est moi qui décide quand la dette est remboursée. Et c'est pas demain la veille. Mon beau-frère qui, lui, prie pour que les problèmes disparaissent. T'es doué pour ça, non, Seymour? C'est vrai ce que t'as dit? Qu'un vrai homme doit défendre sa famille? Et aussi son pays. Tu veux savoir comment c'était la guerre? Tu crois ça? Tu sais, quand j'avais à peu près ton âge, mon père m'a... Il m'a demandé ce que je ferais si je tombais sur un loup. Est-ce que je paniquerais? Et je m'enfuirais? Et Dieu dit, tu ne voleras point. Et toi, tu laisses ces imbéciles te voler. Ne t'approche plus de ma nièce. Est-ce que j'essaierai de l'effrayer? C'est lui qui t'a fait ça, avoue. Wade! Effraie comme si je ne l'avais même pas vu. Tu le tuerais. Abigail! Même s'il n'avait pas l'intention de me faire du mal. Il aurait pu. Il me reste une balle. Je t'attendais, tu sais.